Congo. His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis le pasteur bienvenu Mestalé. Nous sommes live sur Welcome TV. Alors, actualité, toujours continue le message d'Abisso. Il y a sur la prière, donc enseignement autre ça là, sur la prière. Mais avant cela, tous en a communiqué parce que les autres en a prière moko tout ça là sur le Congo. Dans l'église, il y a pasteur De Gaulle sur 100. Vers les routes na nini na Manor Park. Donc tout bande à partir à 16h, tous ont prié dans ma chrétienne surtout Baya, tous en a prière kuna l'église à pasteur De Gaulle pour les pays. Alors bande de babi que nos pasteurs ndere nini il faut RMP au continuer quand on va sur la politique. Alors bon, message aux est très important parce que ba ti nommé premier ministre monsieur Sami Badibanga au Azali membre ya UDPS. Donc, Azali vraiment l'héritier, il y a M. Etienne Tshisekedi, il y a une récompense au Nzambe à PCP Tshisekedi parce qu'il a beaucoup souffert dans le combat. Il y a Azali héritier, il y a IDPS, Premier ministre à Congo. Donc, il y a Azali pour organiser l'élection en 2018 et Salama. Alors, il y a un mot rapidement, c'est très important parce que tant que bien que notre Tshisekedi est avec nous, bah bien non parce que Azokos alors les lots nous avons vraiment sali tout le monde vraiment Monsieur Badibanga Azali héritier à Monsieur Tshisekedi. Alors tout en allant rapidement, la République démocratique du Congo peut perdre une majorité présidentielle. L'ONU et la Belgique saluent la nomination de Sami Badibanga comme premier ministre. Kinshasa le 18 novembre 2016. Politique et Ban Ki-moon se félicite de cette première mesure concrète prise dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord politique qui devrait mener à la tenue d'élections crédibles dans les pays. Une autre réaction de soutien vient de la Belgique. Dans un message publié jeudi 17 novembre, le secrétaire général de l'ONU dit prendre note de la nomination de Sami Badibanga au poste de premier ministre en RDC conformément à l'accord politique signé le 18 octobre dernier. Ban Ki-moon se félicite de cette première mesure concrète prise dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord politique qui devrait mener à la tenue d'élections crédibles dans les pays. Il encourage le gouvernement qui sera formé par le premier ministre Badibanga à créer un climat propice au respect des libertés et droits fondamentaux essentiels au débat politique et à des élections crédibles et inclusives, comme le prévoit la résolution 2277-2016 du Conseil de sécurité, note les communiqués. Par ailleurs, le secrétaire général de l'ONU se félicite de la médiation menée par la conférence épiscopale du Congo, CENCO, et appelle les groupes politiques qui n'ont pas signé l'accord politique de manière pacifique, de l'accord politique à rester engagé et à travailler à la résolution de leurs différends de la manière pacifique. Il appelle en outre tous les acteurs politiques à continuer à œuvrer de bonne foi et dans un esprit de compromis en vue d'une solution politique ouvrant la voie à des élections pacifiques, crédibles, inclusives et dans les meilleurs délais en République démocratique du Congo, conformément à la Constitution et à la Charte africaine de la démocratie, des élections et des gouvernances. Lit-on également dans les communiqués de Ban Ki-moon, la Belgique prend en acte de la désignation de Badibanga comme premier ministre en RDC. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Didier Reynders prend acte de l'annonce de la désignation en République démocratique du Congo de Sami Tita Badibanga comme premier ministre d'un gouvernement basé sur l'accord du 18 octobre.
Il espère que cette désignation permettra d'ouvrir l'espace de liberté démocratique et de soutenir les tentatives de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, pour rendre l'accord issu du dialogue plus inclusif. Ce V accompagne les nouveaux premiers ministres à cet effet. Les ministres invitent toutes les parties en présence à trouver avant le 19 décembre un accord politique pour donner la meilleure chance à une transition pacifique, la plus brève possible et permettre la tenue d'élections apaisées et crédibles dans l'esprit de la Constitution. Qui est le tout nouveau premier ministre Sami Badibanga? Le député national Sami Badibanga Tita a été nommé premier ministre, chef du gouvernement au terme d'une ordonnance présidentielle rendue publique jeudi à Kinshasa. Le nouveau chef du gouvernement, membre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, remplace à ses postes Augustin Matata Ponyo, qui a remis le 14 novembre 2016 à démission de son gouvernement pour permettre la mise en œuvre de l'accord politique du 18 octobre 2016, issu du dialogue politique national inclusif. Né en 1962 à Kinshasa, Sami Badibanga Tita, 54 ans, est diplômé de l'Institut supérieur des sciences humaines de Genève, 1986, de l'École du Haut Conseil du Diamant d'Anvers, Auger Randvaux Diamant, et de l'International Gemmological Institute d'Anvers. Il commence sa carrière en 1986 en tant qu'administrateur délégué de Sokodam, SPRL, avant de devenir en 1975 administrateur et directeur général de SAM, Samex Trading, SPRL, détentrice de plusieurs permis de recherche minière en République démocratique du Congo, consultant pour la société minière BHB Billiton de 2005 à 2010. Il participe à ce titre à l'introduction de cette société en République démocratique du Congo et à différentes négociations avec le gouvernement sur la révision des contrats miniers ainsi que la constitution et la fourniture d'énergie du barrage Inga 3. Il crée en 2006 la Fédération des explorateurs et extracteurs FII en RDC pour promouvoir la bonne gouvernance dans la gestion des ressources naturelles et sera maître des conférences lors des rencontres IPAD-RDC du secteur minier de 2005 à 2009. Parcours politique, Sami Badibanga est membre d'honneur depuis 1994 de l'Union pour la démocratie et le progrès social IDPS. Il rencontre dans sa jeunesse Étienne Tshisekedi et Frédéric Kibasa Maliba qui façonnent son orientation politique, démocrate et socialiste ainsi que sa volonté de régir de la lutte armée et de la primature de l'État des droits. De 1909 à 2011, il est le conseiller spécial d'Étienne Tshisekedi. À ce titre, il est chargé de la stratégie diplomatique de ces derniers, qui comprend la communication, l'image, l'organisation et la direction de sa campagne pour la présidentielle de 2011. De nombreux candidats de l'UDPS, dont Sami Badibanga, sont élus députés nationaux aux élections législatives concomitantes et vont aller siéger au Parlement où ils vont former et animer l'opposition parlementaire. Alors que le budget national 2014 est présenté pour adoption à l'Assemblée nationale, Sami Badibanga dénonce l'opacité de la gestion des affaires politiques et des revenus d'exploitation des ressources naturelles. Membre fondateur de l'IPDT, initiative panafricaine pour la défense de la démocratie, et président du groupe parlementaire UDPS et allié à l'Assemblée nationale jusqu'à sa désignation comme premier ministre par le président Joseph Kabila. Il est l'auteur d'une série de propositions de réformes économiques et fiscales début 2014. Il propose alors trois réformes pour changer le quotidien des Congolais. Premièrement, la mise à l'étude par le Parlement d'une nouvelle réforme fiscale inspirée de la flat tax ou taxation à taux unique. Sami Badibanga considère que la flat tax est de nature à encourager l'investissement et la création d'emplois, de ramener les entreprises du secteur informel et surtout d'augmenter de façon considérable de 80 à 150% en 3 ans des recettes de l'État et par conséquent les budgets nationaux au service des besoins sociaux, sanitaires et éducatifs de la RDC. Deuxième point, une étude sur la faisabilité d'une fusion des régies financières sur le modèle des réformes mises en place au Ghana, à l'île Maurice et dans d'autres pays voisins de la RDC. Il a souligné les résultats spectaculaires en termes d'augmentation des recettes fiscales. Troisièmement, la mise en place d'un fonds national
de développement alimenté par les revenus d'exploitation des ressources naturelles. Ces fonds seraient alimentés par une partie des revenus d'exploitation des ressources naturelles et par des investissements internationaux et institutionnels comme privés, basés sur une structure distincte de l'État. Il compterait au sein de sa structure dirigeante des représentants des partenaires internationaux de la RDC, de l'association civile et des dirigeants fonds souverains du monde afin de garantir sa bonne gouvernance. Les revenus et intérêts produits par ces fonds financent le développement social de la RDC, consacrant ainsi l'idée que le peuple congolais est en droit d'attendre de l'exploitation des immenses ressources naturelles du pays pour financer ses besoins sociaux et services publics. Alors, Bolanda, image, meeting, chef de l'État, nostalgique d'un temps pourtant bien révolu. Je tiens à dire à notre jeunesse que les stratégies de leur insertion socio-économique sont en cours. Je félicite par ailleurs ceux qui refusent ou résistent à la voie de la violence ou qui, d'ores et déjà, sont intégrés dans la communauté nationale où ils se rendent service, où ils rendent service à cette dernière à travers les travaux d'intérêt communautaire. Quant à ceux des Congolais qui ont le sens de l'initiative et qui osent entreprendre des activités économiques, je les exhorte à prendre avantage des politiques menées à ce jour en matière de promotion d'une classe moyenne congolaise dans les différents secteurs de la vie économique nationale. Sur le cas de dispositions légales réservant le petit commerce aux nationaux et l'existence du Fonds national de microfinance. J'en appelle par ailleurs aux deux chambres du Parlement de vider leur saisine sur le projet de loi relative à l'attribution en priorité aux entreprises congolaises de contrats de sous-traitance, notamment dans le secteur minier. Notamment dans les secteurs miniers, agricoles et des infrastructures. Texte que je souhaite voir être appliqué sans faille par le gouvernement une fois promulgué. L'objectif pour nous, c'est de faire du Congolais le premier investisseur dans son pays. Et de la demande intérieure, le moteur de notre économie. Honorables députés, honorables sénateurs, au plan institutionnel, notre défi majeur demeure la consolidation de notre jeune démocratie. Conformément à la Constitution de la République, il est impératif que nous conjuguions de manière définitive et irréversible le vieux démon tendant à emprunter des raccourcis pour s'emparer du pouvoir de l'État par la force. Toute autre voie anticonstitutionnelle et non démocratique. Je lance donc une invitation solennelle à la classe politique congolaise à se préparer activement
à aller à la rencontre du souverain primaire, car dans quelques mois, le fichier électoral en cours de constitution sera prêt et les scrutins seront convoqués. Je rends à cet effet un vivant hommage à la Commission électorale nationale indépendante qui, à la faveur des efforts du gouvernement ayant permis l'acquisition de 20 000 kits d'enrôlement, est forte de la mise à disposition de moyens logistiques aériens et roulants de fausses armées, a rendu effectif mon appel à l'enrôlement des électeurs depuis le 31 juillet à partir du Nord Ubangi, où 760 000 électeurs sont signalés comme enregistrés à ce jour sur un total de 850 000 attendus. J'encourage vivement la poursuite du dit processus dans les aires opérationnelles 1 et 2 déjà annoncées, comprenant 11 autres provinces. Et j'invite particulièrement les jeunes à y participer massivement afin de se donner le moyen légal de décider de l'avenir de leur pays. De participer à sa gouvernance plutôt que de servir éternellement de marchepied à des acteurs politiques. Honorables députés et sénateurs, comment ne pas remercier par ailleurs ceux qui, pour avoir balisé le chemin vers la tenue certaine et paisible des élections, avaient, dès le mois de juin 2015, répondu à mon appel en vue de consultations préparatoires au dialogue national, où ont, il y a peu, œuvré activement à l'aboutissement heureux du dialogue proprement dit, mené avec dextérité et intégrité par les facilitateurs désignés. Par les facilitateurs désignés par l'Union africaine, le Premier ministre Edem Kodjo, à qui je rends hommage. Je salue les différentes recommandations issues de cet important forum national, particulièrement l'accord politique pour l'organisation des élections apaisées, crédibles et transparentes dans notre pays. Certes, comme toute œuvre humaine, cet accord politique est perfectible. Il n'en reste pas moins, cependant, qu'il constitue aujourd'hui la seule feuille de route mise au point. La seule feuille de route mise au point par les Congolais eux-mêmes, représentant aussi bien l'opposition politique, la société civile que la majorité. Il fixe en effet de perspectives réalistes et responsables, tant pour l'organisation des élections que pour la stabilité des institutions pendant la période préélectorale, électorale et post-électorale. Une fois de plus, comme je l'avais dit il y a 2 ans, dans les mêmes circonstances,
Les Congolais viennent de démontrer que, placés dans des conditions de libre exercice de leur droit à l'autodétermination, ils sont capables de régler en toute responsabilité leurs divergences. Ceci m'offre l'occasion de dénoncer à nouveau toute ingérence dans les affaires internes de notre pays. Notre pays qui a droit, comme tout État membre des Nations Unies, au respect de sa souveraineté et de son indépendance politique. Et notre pays n'entend pas transiger là-dessus. Mon vœu le plus ardent est que, conformément à l'article 24 de l'accord politique, ceux qui, pour une raison ou pour une autre, n'ont pas participé à sa conclusion, puissent y adhérer en le signant, de manière à ce que, à l'unisson, nous offrions à notre peuple le précieux cadeau qu'il attend de nous, l'exercice effectif de son droit légitime de se choisir ses dirigeants librement, sans entrave aucune, mais aussi dans la paix physique des cœurs, que ceux qui viennent de le faire par vagues successives en soient ici félicités. C'est également dans le cadre des dispositions rappelées que s'inscrivait la mission que j'avais confiée aux évêques membres de la CENCO, que je remercie au passage, en direction de ceux de membres de l'opposition n'ayant pas encore signé l'accord politique. Les résultats de leurs louables efforts témoignent malheureusement, une fois encore, du peu d'intérêt réservé par les concernés à cette quête de solution à nos différends par le dialogue. C'est ici le lieu d'affirmer que l'alternative, que de l'intérieur comme de l'extérieur, certains opposent cette option de bus est tout simplement inacceptable. Car elle aurait pour effet de replonger notre cher et beau pays dans le chaos, comme c'est aujourd'hui le cas de certains pays frères à travers le monde. Soucieux de mes responsabilités de garant du bon fonctionnement des institutions, je ne peux permettre que la République démocratique du Congo soit prise en otage par une frange de sa classe politique. Soucieux de mes responsabilités, de garant du bon fonctionnement des institutions, je ne peux permettre que la République démocratique du Congo soit prise en otage par une frange de sa classe. Et
exposé et exposé au risque d'instabilité avec pour conséquence de retarder davantage l'organisation des élections. Conformément à l'accord politique suspensionné, je désignerai donc récemment le Premier ministre qui aura la charge de former le gouvernement d'Union nationale. Sera de conduire le peuple aux élections, tout en préservant les acquis économiques et sociaux de 15 dernières années. J'assigne ainsi à ce gouvernement la mission tout aussi prioritaire d'œuvrer à l'amélioration du social de notre population. Je salue le Premier ministre sortant. Je salue le Premier ministre sortant, M. Augustin Matata Ponyo, et son gouvernement, qui, avec dévouement, ont abattu un travail remarquable au cours des 4 dernières années. Quant à tous ceux qui semblent se préoccuper à longueur de journée de mon avenir politique, je tiens à dire, tout en les en remerciant, que la République démocratique du Congo est une démocratie constitutionnelle. Et que toutes les questions pertinentes relatives au sort des institutions et de leurs animateurs sont réglées de manière satisfaisante par la Constitution. Sending money abroad can be complicated, time-consuming, and worst of all, expensive. I've found the solution. LikeRemit is... Quel avenir nous voulons offrir au Congo et aux Congolais? Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Sénateur, mesdames et messieurs, je vous remercie. Du palais du peuple, à l'issue de l'intervention du chef de l'État, président de la République, Joseph Kabila Kabange.